le droit à la parole. Et exactement une heure passée, je vous interprète ma chanson. C'est moi le Je seul vais encore lui dire responsable. que Il n'y a j'arrêtais la jamais musique, qui, hein. Najim, malheureusement, Boulboul, qui fait du grand n'importe quoi. Je vous interprète ma chanson la nuit. Maintenant, c'est tout de suite. La nuit. Il se fout du monde, ce type. Moi, j'ai pas besoin de quelqu'un qui me copie dans mes chansons. Mais ta chanson a démarré, calme-toi. Ouais, c'est bon. Nuit, bonjour. Nuit, normalement, on devrait dormir. On dit, prie, on vit plus tard de la journée. Hey, maman, soubasse. Ce n'est pas parce que tu te failles peine de dire, lire, un prix. Lui, 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 ya! Ah, c'est le nuya! Lui, Ah, les sous, bâtards! Je viens de comprendre le ya à calme, la fin! le vrai bien, ce c'est. Ya! Pour Vous êtes des dire, bien, bâtards! j'ai, je viens, j'ai, les mots sont posés. Priez, je viens, non, mais, la nuit, ya! Nuit, entend, voir, sans, vie, vie, et croire, forcément, Mais c'est trop bien ce qu'on vient de espoir, la nuit, ya! sans, très, vraiment, voir, sans, lui, voir, la nuit, la nuit, ya! Nuit, on a passé une bonne journée, mon, peut-être, parents, soit, vous, mon, Franchement, ça habillé, passe par rapport aux autres, parents, non? Les faute, mecs, faute, franchement. on, va, Mais c'est du slam, Chalice, mais vous comprenez rien, moi, cet artiste, hein, les gars. Allez voir j'étais des artistes, là-bas, allez sur ne Spotify souhaite et pas, écoutez des artistes de soit slam, les hein. temps, Ils sais que vont, tu n'es pas franchement, ils font, méchant, ça fait vraiment chier, je préfère limite écouter. la nuit, ya! Je préfère, franchement, les gars, on est d'accord. Je préfère largement Emmanuel Ploquin, les gars, vraiment, en étant La honnête. nuit, T'es un grand corps on malade, hein. cause, Grand corps malade, on on se va fait chier, hein, mieux. vraiment, hein. Mais qu'est-ce, Jésus? Parfois, dis-toi, peut-être entêté, aussi bien, Jésus. Je sais, qui enfin, sans forcément, oui, raison qui Non, franchement, s'appelle, vraiment, je préfère ça. Jésus. C'est juste que les paroles, Père, bon, faudrait que j'écoute les chansons vis où tu penses, enregistrées. au Là, il dit trois mots bitume, sur cinq, tu vois, enfin, fume, trois mots sur dix, tu vois. papa, tu fumes. Ce Faudrait que sera, j'écoute juste la chanson originelle, les gars. Là, je serai avec vos ta Camille Lelouch, là. torture. La nuit, la nuit, la nuit, Yam. Non, pour moi, Nuit, c'est un artiste le qui se démarque jour, par rapport aux autres. c'est, C'est tout. mais, meurs bien, hein, sans projouer. Mudance, toi, mais, Bon, allez, on va aller voir. sais, vos monnaies, si Je vais manger, diminuer un peu les un liens. truc Je vais aller voir semaine, si vraiment notre si, énergie c'est là. La donc, nuit, c'est parfait. mais c'est très bien Et ça. boire un bon lait. La nuit, Yam. Non, je suis pas en overtrolling les gars, vraiment. La nuit, non, mais papa, beau doigt, moi, je pense. Eh Il y a des oui, mon chéri, c'est ce qu'il fait. Pas Il y manger a des encore envolées petit lyriques, doigt. Pense, contrairement à d'autres artistes au slam, toi, là où c'est vraiment voix toi, monotone, tu te fais chier tout le oui, long. pas de voix, de voix, Il faut écouter vraiment les CD, les mecs, écoutez les je te CD. vois, mou, Vraiment. ça ne va pas. La nuit, la nuit, la nuit, y'a. Trouvez-moi des refrains, genre la nuit, qui mettent un peu dans l'ambiance. Il n'y a pas d'envolée lyrique dans le slam en général, c'est vraiment un air Oui, ça tout ton le temps un air voisin. monotone, les gars, mais Mais vraiment, on se qu'est-ce fait que tu chier. vas faire? Peut-être tes frères, tes amis font, vraiment, les femmes faire. Père, prends du somnifère. Non, si toi, vous avez la question, Les gars, si par exemple t'appelles, demain, il y a un pote qui vient devant vous, les gars. Enfin, c'est tenté que vous ou êtes des ne potes. demande Enfin, je pense pas que si. de me Il y a un taire. pote à toi qui dit, viens, on va aller voir un concert. Mais par contre, t'as le choix. Quand? C'est un hiver. La Soit on nuit, va voir Grand Corps la Malade ou nuit, Emmanuel là. Ploquin. Emmanuel Ploquin dans une MJC ou Grand Corps Malade dans une grande salle là où tu vois rien ou voilà. Mais moi, mais 100 fois, les Décidément, gars, je on prends peut Manu pas Ploquin, les faire mecs, des hein, en choses concert. sans Dans le chat, vous choisissez quoi, là? si on On posait vous la offre, voilà, du jour, question à tout le on te monde, dit, voilà, tiens, j'ai deux je places, on demande choisit quoi? si mon faire fumer la Manu nuit, Ploquin, ne serait-ce ya, que pour le voir lui parler et Anouya, tout, lui dire, ouais, ya. le mec. Bonne question, je pense, on peut bien se Je peux poser. pas, j'ai on lit sub. Salut, au revoir, à Manu tous, dit.
Alors, Manu Cash, je préfère aller voir un tétard, quoi, qui gigote dans le marais. Donc, quoi? Je ne sais pas comment il chante, mais visiblement, je pense qu'il n'a pas mis de beau ton. Parce qu'il chante avec sa petite guitare et il a fait se planter. Il critique ma guitare? Nassim Boubou a fait que me copier. Encore une il fois, il critique ma guitare, attendez, c'est pas, ce que je chante, c'est pas du rap, c'est du slam. D'accord? Donc quand je vois quelqu'un qui copie n'importe quoi, le pauvre, il y a un problème. Ça tourne pas rond. Alors, j'ai mis il y a quelques semaines, il va s'excuser et maintenant, il va chanter mes chansons. Il y a Michel qui a confirmé. Et visiblement, vous le connaissez, il a fait n'importe quoi. Je vous avance encore une fois, les gars. Sachez que mes chansons, ça n'a jamais été pour que Nassim copie. Moi, c'est pour aider les chansons. Je suis chanteur en slam, j'apporte du bonheur aux gens. Et lui, il n'a rien compris. Résultat, mes chansons. Je vais donner la parole, attends, à Benjamin. Et voilà, mais j'ai jamais vu que mes chansons copient. Il se fout du monde. Benjamin, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends, Benjamin? Salut, comment tu vas? Ah, moi, ça peut aller, Nazim. Mais c'est toi. Comment vas-tu, Nazim? Parce que, bah, déjà, t'es pas Benjamin, t'es Nazim. On m'a parlé de toi, il paraît que t'as chanté ma chanson. Pardon? Ah, bah oui, on m'a fait. Il paraît que t'as chanté ma chanson la nuit, tu vois? Alors, ce qu'a dit Michel, parce qu'on m'a rapporté tout ça. Alors, c'est en partie vrai, bah, oui. Mais j'ai changé. Oui. J'ai changé, alors, comment j'ai arrêté la musique, mais là j'ai appris que tu m'as détracté, donc je vais me relancer. Je vais relancer la carrière de Nassim Boubou, c'est ce que tu m'as conseillé. Je t'ai jamais détracté, t'as vu ça où, Nassim? Je t'ai jamais détracté. Je t'ai jamais détracté. C'est simplement, on m'a dit que tu avais chanté la chanson la nuit. C'est ma chanson. Je t'ai jamais détracté, t'as mal compris, hein, Nassim. Hein. Ah, d'accord, ok, parce que justement, j'ai une nouvelle chanson, ça devrait te plaire. Elle s'appelle comment? La vie, la nuit. Ouais, bah, faut chanter là pour quoi? Mais si c'est comme moi, mais le problème c'est que tu sais pas, tu fais tout à travers moi. Tu veux me rendre hommage? Ça sert à rien. Faudrait la que tu prennes des bouts. La nuit de musique en rêve, qui est plus fort, crier de plus fort. Ouais, ça fait quelque chose. La nuit est sombre et tout seul, je me sens seul. J'aimerais avoir le soutien des gens. La nuit, la vie. Non, oublie. Non, Nazim, je te laisse. Non, parce que c'est un fiasco total. Salut, Nazim. Au revoir, Nazim. De quoi? C'est du grand n'importe quoi. Parce que, non, c'est un fiasco total. La nuit, c'est ma chose qu'il fait. Il déforme ma chanson. Il ne sait pas innover. Il fait n'importe quoi. Moi, j'ai fait une belle chanson la nuit, et la seule chose qu'il fait, il déforme mon travail. C'est du grand n'importe quoi. Je m'excuse, je n'aime pas raccrocher, mais quand je fais des belles chansons, il déforme, bah, faut qu'il fasse autre chose, hein. Et comme m'a dit tout à l'heure Michel, bah, il s'est que déformé, il s'est copié. Vous avez eu l'expérience en direct, il a fait copier, il s'est pas innové. Et encore une fois, mes chansons n'ont jamais été faites pour que quelqu'un comme Nazim les copie. Moi, je les chante, j'apporte du bonheur aux gens. Et en même temps, quand on comprend les chansons, parce qu'ils respectent même pas mes chansons, les gens s'apportent, je les aide dans la vie de tous les jours. Alors quand je vois Nazim qui fait n'importe quoi avec sa guitare, il respecte même pas ce que je dis, parce qu'il y a une musique, il respecte même pas ce que je dis dans les paroles, il se fout du monde, hein. Ma chanson, il y a une subtilité, il y a des vers. Lui, il arrive la nuit là, mais c'est un fiasco total. Regardez-le. C'est du grand n'importe quoi. Bah oui, mais enfin, en tous les cas, la nuit, la chanson, c'est comme a dit Michel, il a fait n'importe quoi. Il vous l'a montré. Moi, il y a une subtilité, il y a une suite, il y a une musique. Il respecte pas mes chansons. Et encore une fois, mes chansons, je dis des choses précises. Il y a des gens qui aiment les gens. Je parle d'un thème différent. Moi, je sais critique. C'est juste que j'aime bien le gimmick. Fois, je n'ai pas mais besoin. Les gars, c'est pas copier, les gars. Le gars à la fin qui arrive et qui déforme mes chansons et en plus, il raconte n'importe quoi. Lui, il le fait violent. Alors que moi, il y a une musique étrange. Il n'a rien compris. Donc, pour moi, je l'ai raccroché parce que je ne peux pas laisser quelqu'un qui déforme mon travail. La seule chose qu'il fait, il ne respecte pas mon travail. Il ne respecte pas mon travail. Et la seule chose qu'il a fait, c'est du grand n'importe quoi. Moi, il y a une subtilité, il y a de la logique. Il arrive avec la guitare. Ben, la seule chose qu'il fait, Nazim, t'as déformé mon travail. Donc, en tous les cas, à part Michel qui est monté, il m'a ouvert les yeux ce qu'a fait Nazim. Là, j'ai voulu le faire monter. Le ya est copyright. Grand n'importe quoi. Et encore une fois, la nuit, je voulais chanter.
Et ça ressemble même pas du tout à ce qu'il a fait. Et la seule Ouais, chose là, comme qu'il t'es fait, c'est rêvé, ouais, je pense que de j'aurais me dû faire ça. copier, me plagier. Il s'est pas innové, créé. Bah, la seule chose que ce qu'il a fait, son interprétation, ça ressemble pas du tout à mon interprétation. Donc, je suis désolé, Non, par contre, c'est du Yelmap, des erreurs, c'est grand un peu là. n'importe quoi. Il paraît, son restaurant dans les kebabs, bah, les gens sont malades, ils donnent du chat, c'est du n'importe quoi. Bah, encore une fois, vous venez de le voir, de vous en rendre compte par vous-même, Nazim, me fait me copier, me piaja. Et ce qu'il comprend pas, c'est que mes chansons n'ont jamais été faites pour ça. C'est pour aider les gens, Qui a d'apporter dit du ça? Je bonheur, donnais du car il y a d'autres chien personnes qui chantent et du autrement, chat, les gars, dans notamment mes Kairon. restos. Il y a des chansons d'amour, il y a des chansons d'Hédio, il y a des Du chansons chat pané. anglaises. Ben moi, je chante du slam. Vous connaissez Grand Cœur Malade, où tous les gens qui chantent dans le slam aussi qui ont une façon de parler. Et ben moi, c'est du slam. Donc, j'ai pas besoin de quelqu'un qui déforme mes chansons comme Nazim. En plus, il donne une très mauvaise interprétation. La nuit, je voulais chanter. Ben, je suis désolé, je l'ai jamais fait. C'est pas du hard rock. Il a rien compris. La nuit, j'ai jamais fait ça. Il déforme mes propos. Il respecte pas mon travail. Vous venez d'avoir la preuve. En tous les cas, il est 1h15. Je suis Emmanuel Ploquin. Le petit Manu, je vous conseille de bien boire, de bien désaltérer vos maisons. Reposez-vous parce qu'il va faire très très chaud. Il y a des gens qui vont revenir, d'autres qui vont partir. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. Ça sera mon 68e rendez-vous de Memelay et interview. Mais encore une fois, vous venez d'avoir la preuve. Nazim fait du grand n'importe quoi. Et encore une fois, c'est pas moi qui ai coupé, c'est lui. Il respecte même pas mes chansons par rapport à ce que j'ai écrit. Et encore une fois, il veut me rendre hommage. Moi, je n'ai pas besoin d'hommage. Ce que je voudrais, c'est qu'il arrête de me copier le piaget. Et la seule chose qu'il fait, bah, j'ai fait une Bon belle bah là, œuvre, ça va être, une harmonie on va devoir désamorcer encore une du fois arbre. là. Il a rien compris. Et Bon, c'est du un coup, j'ai grand mangé des malade. kebabs. C'est pour ça que j'aime pas raccrocher. Mais quand je vois quelqu'un qui fait n'importe quoi, il est irrespectueux. Bah, c'est triste, hein. Donc, vous venez de vous en rendre compte par vous-même. Michel m'a ouvert les yeux. Bah là, j'ai voulu le faire monter. Il a fait du grand Attends, n'importe Michel, quoi. ça La nuit, yébab, ça la n'a jamais chair de été ma du chair, hard quoi. rock. Il a un problème. Et pareil, dans ce kebab, bah, les gens sont malades. Bah, je suis désolé, ça tourne pas rond. En tout cas, j'ai annulé, j'ai enlevé parce qu'il fait du grand n'importe quoi. Bah, je suis désolé, c'est triste. Quand on sait même pas innover, quand on sait même pas innover, on cible les idées d'autrui. Bah, en tout cas, mes chansons, j'ai jamais fait, ça a jamais été du hard rock. Bah, c'est ce qu'il a fait. Il a donné une mauvaise interprétation. En tout cas, je suis Emmanuel Ploquin, Ploquin, dit le petit Manu, Emma Cospos. Lui, c'est Boulboulou, hein, Dorémy, d'autres. Arrêtez de m'appeler Nazim Cospos parce que moi, c'est moi. Il fait me copier, hein. Pour moi, il fait n'importe quoi. C'est un grand malade. En tout cas, je veux pas lui donner la parole. Je voulais lui donner la parole, mais il a fait du grand n'importe quoi. Bah, je comprends, il y a des gens qui l'ont vu dans le métro, mais en tous les cas, il a fait n'importe quoi. Mais c'est pas du hard rock que je fais, c'est du slam. Et encore une fois, il respecte pas mes chansons. Moi, je voulais interpréter. Il y a des paroles. En plus, il comprend même pas le son de mes chansons. La seule chose qu'il fait, il a aucune sensibilité. Il fait du grand n'importe quoi. Vous avez pu vous en rendre compte. Emmanuel Ploquin, le petit Manu et ma Cosmos. Nous sommes le début août. Je souhaite de bonnes vacances pour tous ceux qui vont partir. Il y en a un grand nombre qui seront à la maison. Salut Smiley, À t'as la limite, raté, il faudra hein. qu'il arrête Salut Ao. la musique parce que quand il fait n'importe quoi, il dit que je l'ai relancé. J'ai rien relancé du tout. J'ai simplement, on m'a dit des choses. C'est peut-être différent. Hein, Nazim? Moi, je t'ai jamais relancé. On m'a simplement dit des choses à ton sujet. C'est différent. Alors, Ça si balance! on dit pas que j'ai relancé, on m'a simplement dit des choses. Et là, vous avez pu le voir. Moi, c'est du slam. Lui, il a fait un hard rock hors sujet avec ma chanson. Simplement, il Un me hard copie, rock. il me piaja. Et maintenant, ça va suffire. Parce que la seule chose qu'il fait, du grand n'importe quoi. Il respecte pas mon travail. Il avec sa guitare, il comprend même pas les paroles de ma chanson. Il est irrespectueux. Donc, s'il y a bien une personne qui copie, Ouais, c'est c'est Nazim pas triste. Boulboul. Moi, j'en ai plus que marre de voir quelqu'un qui copie, qui est respectueux. Il a voulu faire pour la même chose pour autant cette fois, on sera 8 fois. Et quant à la fille du soleil, c'est moi qui l'ai fait. Lui, il n'a rien fait. C'est Nazim Boubou qui a fait la seule chose qu'il a fait, catastrophe sur catastrophe. Là, j'ai écrit la nuit, je voulais chanter, et j'ai voulu donner la parole, mais il a fait du grand n'importe quoi. Ça n'a jamais été du hard rock. Le hard rock, c'est une chose, mais moi, je fais du slam. Donc, il a encore une fois un problème. Et Nazim, je t'ai jamais relancé, on m'a simplement parlé de toi. C'est différent. En tous les cas, je souhaite de bonnes vacances pour tous ceux qui vont partir en vacances. Il y en a un grand nombre qui vont rester à la maison. Bah, j'espère que ça va bien se passer. Il y a eu Michel, c'est Nazim qui a fait n'importe quoi, qui a pété un câble.
Moi, je vous ai chanté des chansons, je Il suis faut qu'il chanteur en remonte. herbe, je suis un chanteur éclectique aux multiples talents, j'ai d'autres capacités, donc il y a peu de personnes qui sont montées, mais il y a beaucoup de gens qui sont en vacances, ça peut se comprendre. Mais quand je vois Nazim Boulbou qui fait n'importe quoi, bah, c'est pas du Il est hard rock que terminant. je fais. Bah, la Il est preuve, il a terminant voulu en faire une fait. interprétation, c'était aucun rapport avec ma chanson. Il s'est planté, c'était un fiasco total. Moi, j'ai écrit des chansons, il respecte pas mon travail, il est respecteur, il est copieur, mais le problème, fait du grand n'importe quoi, vous avez pu vous en rendre compte. Ploca, le petit Manu et ma Cospo, je vous souhaite une très très bonne semaine et on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Ça sera bah, mon 60e, 68e rendez-vous. Bonne semaine pour tous ceux qui vont partir. Bonnes vacances et encore une fois, reposez-vous, buvez de l'eau, essayez bien de vous Est-ce rapprocher. qu'il Ça reparle commence encore à de moi faire là avant très de chaud. couper? On va À voir. lundi prochain. Ah non, c'est bon. Bonne semaine et je suis encore vraiment désolé. Ce Nazim fait Mais... n'importe quoi. La nuit, je voulais chanter et sa version ressemble aucun rapport à ce qu'il a fait. Il a fait un radar râpé. Il s'est planté de A à Z alors que moi, c'est du star. Il est vraiment irrespectueux. Je vous Allez, souhaite une fini. très très bonne Voilà, semaine. c'est bon, maintenant. J'espère que vous allez bien en Non, profiter. moi, il me repart Ça plus va de moi, bien se hein, c'est passer. bon. On se retrouve tous. Je vous donne rendez-vous bah, la semaine prochaine Voilà, et normalement, c'est ça bon. serait mon. Ça serait mon. Et ça sera bien mon 68e, 68e rendez-vous de Memley et interview. À la semaine prochaine. Mais quand il arrête de faire Mais non, n'importe quoi, vous avez pu vous rendre compte, déjà, je l'ai ah pas mais coupe lancé. le live Il s'est là. planté. Et la seule chose qu'il a fait, il n'a pas respecté ma chanson la nuit. Et il a fait du grand n'importe quoi, ça ressemble pas du tout. Mais après, vous avez pu vous rendre compte. Moi, je chante d'une certaine façon. Il y a une musique, il a fait du grand n'importe quoi. La Allez. seule chose qu'il a fait, hein, il a manqué de respect. C'est lui qui copie. Il fait fiasco total sur fiasco total. Mais la seule chose qu'il fait, pas respecter mes chansons. Après, il veut me rendre hommage. Bah, j'ai pas besoin qu'il me rende hommage, qu'il ait un peu de bon sens, chose qu'il a pas. La seule chose qu'il devrait faire, peut-être arrêter définitivement la chanson. Ça, c'est sûr. On se retrouve la semaine prochaine et tous les autres. Je vous salue amicalement. Non, Je vous non, c'est souhaite bon. une bonne semaine. Là, c'est bon. J'espère que vous allez bien en profiter. On se retrouve tous Allez. et toutes, sans oublier une personne. Rendez-vous la Allez, moi, je semaine rentre l'antenne prochaine. aussi, moi. Et je suis très content d'avoir rencontré Michel. Je suis très content d'avoir C'est son rencontré nouveau pote à Michel. Yemap? Bah, il m'a parlé de ce Nazim. Et bah, tu vois, il m'a confirmé qu'il a fait du grand n'importe quoi. C'est dramatique. Il est vraiment, ce type, il fait vraiment n'importe quoi. Pour tous les autres, on se retrouve tous la semaine prochaine. Et ça sera mon Mais c'est le 68e pire! rendez-vous. Mais... Bah, même l'interview. Rendez-vous avec grand plaisir et grande joie lundi prochain. Évidemment, je me permets, à mon avis, il va faire très chaud. Je me permets de vous souhaiter C'est une bon, normalement bonne c'est fini. et Ok, agréable les au revoir. semaine. À lundi prochain, fidèle au poste. Bye bye. Et j'espère que vous allez bien en profiter. Je vous le souhaite. C'est bon, c'est fini. J'ai pas vu le... Attends, là on a le live, j'ai pas vu l'infiltration. Elle... Nazim, c'est dommage, il fait n'importe quoi. Il y a des gens, c'est à toi. Chanson compte de même les interviews, le droit à la La parole. meilleure, c'est pas... C'est quoi ton de même les interviews, le droit à la parole, de même les bonnes chances. Donc tu es plutôt dans la partie qu'on voit pas, les personnes de l'ombre, autrement dit. Non, 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 je fais tout, hein. De A à Z, hein. D'accord. Ah oui. Mais tu fais quoi ton... Ah d'accord, tu composes, mais tu fais quoi comme genre de musique? En tout cas, je peux te faire un compliment, Michel. Bravo pour ta barbe. Oh là là, Ah, ça te va très bien. merci. Bah oui, bah ça c'est mes origines. Et t'es quelle origine si c'est pas trop indiscret? Grec. Ah là là, beau pays, le pays de Nana Mouskouri et Denis Roussos, C'est j'ai pas mis à l'esprit. la meilleure référence, mais oui, c'est vrai, ouais. Ah bah je suis désolé, c'est les personnes qui m'ont venu à l'esprit, mais je suis désolé. Et tu fais quoi comme genre de musique, Michel? De la variété folk. D'accord, donc ça bouge. Est-ce que tu veux en jouer quelque chose? Parce que moi, je donne la parole aux gens. Moi, je chante en slam. Tu vois, c'est différent, mais c'est une sorte de musique. Tu veux nous faire quelque chose de venant de toi, Michel? Bah, t'es le bienvenu, si tu veux. Bah non, mais la prochaine fois, si tu veux, je te jouerai un truc, mais là, il est un peu tard, donc je vais pas faire trop de bruit chez moi parce que je vis avec ma mère. D'accord, et peut-être qu'elle dort. Bon, en tout cas, Michel, moi, je te souhaite bonne chance. T'es la première personne qui vient. Par Oui, contre, moi, c'est du coup, tout. je t'ai connu grâce à Bout de Boule. Oui? Donc, Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit de vous? Parce que... Bah, alors, lui, il m'a rien dit, mais c'est que j'ai Oui. découvert qu'au départ, c'était. Enfin, lui, il avait fait les concerts avec tes chansons, c'est là-dessus que j'ai découvert. Oui, alors, je vais te dire, Nazim Boulboul, alors vas-y, continue, parce que ça ne fait pas de couper la parole, je vais t'expliquer après ce que j'en pense. Non, non, non. Vas-y. Alors, Et qu'est-ce j'ai bien compris qu'il y que... avait un problème avec lui. Moi, je l'ai découvert en concert. J'étais à ce concert là où il avait chanté la chanson.
Parce que... Il a chanté quoi comme chanson? Parce que j'étais pas là. Tu peux me dire qu'est-ce qu'il a chanté comme chanson? C'était... avec... Ça parlait d'une fille, un truc comme ça, et de soleil. La fille du soleil? Ouais, la fille du soleil. Alors, je vais te dire, Michel, le problème, c'est que ce Nadim Bouboule, la fille du soleil, c'est mon premier clip. Et tout ce qu'il a fait, malheureusement, il a fait que Piaget me copier. Donc, ce qu'il a fait, c'est n'importe quoi. Même, j'ai une autre chanson que j'ai écrite autour de 7 fois, 8 fois. Il a fait que me copier. Donc, Nadim n'a rien fait. Il ne s'est pas innové ni copié. Il y a quelques semaines, il est venu, il s'est excusé. Et la fille du soleil, c'est mon premier clip. Donc, le problème, qui comprend pas que ça soit moi ou n'importe quelle personne, les gens ne vont pas accepter. La fille du soleil, c'est mon premier clip. Moi, je vais te dire une chose, Michel. Si je n'avais pas écrit les paroles, ça ne serait pas existé. Donc, quand? Et en plus, ce qu'il a fait, c'est la femme du soleil. Mais ce qu'il sait pas, c'est que tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a copié sur moi. Il a même pas inventé quelque chose. C'est du grand n'importe quoi. Et même, par l'assassin, il a même eu un problème avec une autre star, pour lui dire. Tu m'entends, Michel? Avec une autre star, non, ça je savais pas. Je peux te dire. Ça m'étonne pas, parce que tu sais que c'est pas la première fois. Parce que moi, je l'avais connu d'avant sur Internet, en 2012. En 2012, oui, comment ça s'est... Il avait plagié un artiste qui s'appelait Jean-Pierre Sauzère sur la fête de la musique. Oui. Et il avait déjà eu des problèmes. Donc il continue. Donc tu vois, la fille du soleil, c'est mon premier clip. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chanter, en créant un beau clip musical. Mais il a rien fait. Parce que le seul problème, c'est que il se fait appeler Nadim Bouleboul. Mais Nadim Cosmos, c'est mon surnom. Lui, c'est Nadim Bouleboul. Ah bon, donc, il avait déjà plagié à quelqu'un. Il avait déjà plagié à un autre artiste. Ah ouais. Donc toi, un jour, je lui ai dit, si tu continues comme ça, arrête, lance-toi dans les kebabs. Et il paraît qu'il y a des gens qui lui ont dit que c'est pas bon, parce qu'il paraît qu'il donne la nourriture pour chat, c'est catastrophique, tu vois. Donc la fille du soleil, tout ce qu'il a fait, il a fait la femme du soleil, il a copié sur moi. Et il s'est pas créé une nouvelle. Et la seule chose qu'il confond, Michel, c'est qu'il veut, il est fan, c'est une chose, mais il veut me rendre hommage, il se sert de moi. Tu comprends? Bah, oui. Mais le seul truc, c'est que apparemment, moi j'avais entendu qu'il y avait une des chansons La Nuit Ya qu'il a chanté la dernière fois. Non, c'est encore moi qui l'a écrit. Parce que tu vois, Michel, tout ce qu'il prend, c'est qu'il prend de mes chansons. Donc il ne s'est pas créé. Toutes les chansons, c'est moi qui les ai écrites. Donc toutes les chansons qu'il fait, c'est qu'il prend mes chansons et confond une fan et profiter de moi. Et quand il s'est bien, il a des problèmes avec l'assassin. Hein. Donc, tu vois, il n'a rien fait. Il ne s'est pas nommé ni créé, Michel. Tu m'entends? Ouais, mais ça me paraît bizarre. Faut croire qui, du coup? Parce que moi, tu vois, au départ, Moi, au départ, Nazim m'avait vendu ton live. Donc, j'avais essayé de te parler la dernière fois. Comment ça? C'est la première fois qu'on parle ensemble, Michel. Quand il est monté l'autre jour, il a dit je connais Mbappé là qui veut monter, parce que moi, il m'a déjà entendu. Tu connais qui? Il te connaissait, tu vois, d'accord. Oui, mais moi, c'est la première fois qu'on parle ensemble. Voilà. Et c'est un plaisir de faire ta connaissance. Voilà. Et du coup, moi, j'avais dit, moi, je fais beaucoup de coop, donc je fais beaucoup de duos ou des duos à trois ou des choses comme ça. Donc, et je sors des petits projets souvent. Alors, j'ai ce qui est maison de disques et tout avec des gens. Et puis à côté de ça, je fais tous les trucs. Tout à fait, tu as l'air d'être organisé, on voit que t'es tranquille, t'es professionnel. Voilà, et puis je fais des trucs solo à côté avec des petits artistes. Oui, ça dépend, oui, évidemment, c'est ce qui permet d'avancer. Voilà. Pour lancer les gens, pour les aider, quoi. Mmh. Donc du coup, il m'avait dit, ouais, Emmanuel, ce serait bien de le lancer parce que. Ah non, mais moi, j'ai quoi? La carrière est commencée. Et le problème, je veux te dire, Michel, je l'ai fait monter parce qu'il est passé par des moments difficiles. Mais le seul problème, c'est que toutes les chansons qu'il fait, il reprend mes chansons. Ça veut dire qu'il a rendu ça. Et c'est pas innové. Et le problème, je veux te dire une chose, Michel, en reprenant mes chansons, il a rien compris, il respecte pas. Il chante avec sa guitare et s'est planté parce qu'il a voulu aller en banlieue. Et il s'est planté parce qu'il ne sait pas dire les choses. La nuit, autour de cette fois, sur la nuit fois, la fille du soleil, c'est mes chansons. Il n'a rien créé du tout. Tu vois? Heureusement que tu m'as parlé, Michel. Ouais. Il a chanté quoi, hein? Il a chanté quoi comme autre chanson? Non, il n'y avait que la fille du sommeil et la nuit. Non, c'est la fille du soleil. Alors lui, il a peut-être déformé parce que. Non, moi, c'était la fille du sommeil qui chantait. Hein. Ah bah oui, à ton avis, il est venu, il a pris l'idée de qui? De ma chanson, La Fille du Soleil, mon premier clip. Après, ensuite, il a chanté La Nuit Ya, c'est même pas La Nuit, c'est La Nuit,
Ouais. Parce que c'est toi, ton jeu de mots. Et une autre chanson qu'il a fait en tourne cette fois, on s'en allait 8 fois. Il a voulu chanter, il a voulu aller à sa mort. Il s'est planté parce qu'il a voulu passer un concours avec sa guitare, mais il n'a pas su le dire. Et en plus, il comprend pas le sens de mes chansons. Tu vois? Donc, moi, j'ai essayé de comprendre. Hein, mais c'est vrai que le seul truc, j'ai écouté les vidéos qui sont plutôt bien faites. Mais quand tu les fais sur Instagram, on comprend rien. Parce que il y a un truc qu'on comprend pas. Ah, bah, si, parce que peut-être, si on comprend, parce que je vais te dire pourquoi, Michel. Je mets l'intonation, je mets le virgule, parce que je suis aussi comédien. D'accord. Donc, je mets les points virgules, on comprend. Mais la différence, moi, mes chansons, Michel, j'ai fait pour apporter du bonheur aux gens. Parce que les gens sont seuls. Moi, je les vis d'une certaine façon. Oh, et les gens, je les aide. C'est pas pour qu'une personne comme Nazim me copie. Et les gens pensent que c'est moi qui a copié. Ben non. Moi, je suis un professionnel. Je suis éclectique. Lui, il n'a pas arrêté de me piéger, à me copier. Et non seulement il ne respecte pas mes chansons, il déforme mes propos. Et donc, tout ce qu'il a fait, au début, il a voulu faire La Femme du Soleil. Il a pris les chansons de mon clip, il ne savait même pas. Et là, tu dis que c'est La Femme du Soleil. Mais tout ce qu'il fait, il est inspiré par moi. Mais il fait tout de travers. Tu comprends? Oui, donc, à l'époque, déjà. Après, si je peux, parce que ça fait quand même, moi, ça fait 30 ans que je fais de la musique. Ouais, donc t'as plus d'habitude. Voilà. Moi, je faisais autre chose apparemment. Voilà, mais c'est vrai que sur tes vidéos, on comprend bien et tout. Je comprends le côté comédien sur Instagram, mais sur Instagram, c'est vrai que quand tu le fais, tu mets juste la ponctuation du dernier mot, on dirait que tu connais pas les paroles. Ah bah, c'est faux, c'était toi qui as mal. Je le prends pas mal. Mais Michel, ah pas du tout, c'est une erreur. Parce que j'ai mon côté, je mets une intonation, mais il y a les points virgules, je respecte. Ah, on comprend les paroles, les gens comprennent. C'est peut-être toi qui n'as pas compris. Bah, tu vois, et je remets pas en doute ton talent parce que tu fais des trucs super en vidéo, c'est vraiment J'ai mon style, hein, tu sais, je me suis fait un nom, je ne suis plus sur personne, je suis moi-même, je suis authentique. Mais bien sûr qu'on comprend les gens. Vous n'avez pas besoin de faire sur Instagram ou pas, vous, dans le chat? Savoir si c'est moi, non, j'ai problème. Non, Michel, j'ai pas besoin de me justifier, c'est toi qui comprends pas, parce qu'on comprend, bien sûr qu'on comprend mes chansons, et ben je suis éclectique, tu vois. Mais encore une fois, Michel, je veux pas qu'on copie sur mes chansons, c'est ce qu'il a fait en permanence. Donc tu vois, tout ce qu'il a fait, il s'est inspiré de moi, et tu dis, dans le temps, ben il copiait sur quelqu'un, il s'est pas innové, il s'est copié. Par contre, en revanche, il est passé par des moments difficiles, et ça, je respecte, tu vois. Pour te dire, à un moment, Michel, comme c'était dur, je me suis engagé à écrire une chanson pour Nadine, mais j'ai simplement dit que ça prend du temps. Moi, je peux pas faire ça en 5 minutes. C'est un travail. Comme toi, tu travailles pour tes chansons. Et je vais bientôt lui faire une chanson. Tu comprends? Mais je peux pas en faire en 5 minutes. Mais tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a copié sur moi. Et toi, ce que j'ai dit, Nadine, ce qui serait bien, c'est que tu fasses une chanson avec tes mots, mais pas mes expressions. Elle en a fait une, ça, là. Hein. Elle s'appelle comment? C'est La Nuit, là, que j'ai vu. Eh ben, tu vois, c'est pas sa chanson, c'est la mienne. Parce que La Nuit, c'est mes paroles et c'est ma chanson de la nuit. Donc, il a rien fondé du tout. C'est bidon. Tu vois? Tout ce qui s'inspire, c'est de mes chansons. Je lui dis, Nazim, prends tes expressions, mais pas mes expressions. La Nuit, c'est mes chansons. J'ai fait une chanson la nuit. Donc, il a rien inventé. Tu vois? Donc, ça m'amuse. Il se sert de mes chansons. Il s'est pas créé. Mes chansons n'ont jamais été faites pour qu'on copie. Tu vois, et personne ne m'a accepté. Tu comprends? La Nuit, c'est ma chanson. Donc, il n'a rien à inventer du tout. Bien sûr. Il se retient. Moi, j'ai l'imagination de la création. T'as fait attention parce que, tu sais, moi, je dépose tous mes textes à la Soca, à la Soca Dance. Je vais te dire une chose, Michel. Il y a 3 semaines, il y a quelqu'un qui parle à sa scène qui s'est plaint de Nazim. Bien sûr, c'est une de mes chansons. C'est moi qui l'ai créé la chanson. Donc il a rien inventé du tout. Tu vois? Donc à un moment, je lui dis, arrête la chanson, lance-toi dans les kebabs. Ben il paraît que c'est un fiasco total.